Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'Alphabet Challenge qui est sur la lettre C, donc cabaret. Voilà. Je voulais mettre un ras de cou, mais plus large, pour qu'on voit quand même un petit peu la dentelle. Mais j'avais oublié de le mettre, donc voilà. Écoutez, je mettrai mes petits accessoires après. J'ai fait des tresses puisque je vais mettre une perruque. Ça fait longtemps que j'en ai pas mise. Voilà, et j'en ai une qui va totalement dans le thème, je pense. Donc je me rapproche un petit peu et on attaque. Alors, je vais commencer, vu que j'ai pas mis d'highlighter, par utiliser le How Many Carats de Fenty Beauty. Fenty Beauty, je ne sais pas. Voilà, ça va mettre des pétouilles. Ouf, j'adore. Et pour le thème cabaret, je pense qu'on est pas mal. Alors, ce que j'ai zappé, c'est que j'ai pas mis de base parce que j'étais en train de me tromper avec un autre thème et du coup je me disais j'ai pas besoin de base, mais j'aurais bien eu besoin de base. Mais on va faire autrement, on va pas utiliser de base tout simplement, on va voir si ça fonctionne et on verra bien. Donc je vais sortir ma palette Sorceress. Donc je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos et dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Je vais mettre mes petits 6 coachs. Voilà, je pense que là on est bien dans. Alors je vais partir dans les gris pour faire argenté. Voilà, parce que j'avais envie. Alors, je vais commencer directement avec un pinceau plat et je vais prendre directement le Solstice, qui est le gris anthracite de la palette, que je ne vais pas trop me fouler. Je vais mettre... je mets sur toute ma paupière ou sur la... Non, je vais mettre sur les deux tiers de ma paupière. On va garder la partie interne un peu plus claire ou beaucoup plus claire, je ne sais pas encore. Pas bien ce truc et je l'étire en pointe. Vers la tempe, ce serait bien que je finisse mes phrases d'un coup. Voilà, je dégrade ici aussi. Je vais juste marquer un peu plus ici puisque je ne vais pas le dégrader. Voilà, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais mettre le blanc. On va faire une partie interne plus vachement plus claire finalement. Que je dégrade. Hein. Bon, c'est pas le blanc qui se voit le plus au monde, mais c'est du blanc. Avec le même côté, je prends le Equinox pour remettre par-dessus. Je retourne mon pinceau et je prends le... J'hésite. On va prendre le Wish Hour. C'est... un peu un intermédiaire des gris qu'il y a dedans. Ah, et les poubelles qui passent. Et je le remets par-dessus le gris foncé que j'ai mis juste avant. Pendant que les poubelles passent, je vais faire mon trait liner parce que ça vous évitera d'entendre le camion poubelle. Donc, le camion poubelle est enfin passé. J'ai fait mon liner. J'ai même préparé mes vernis. Enfin bref, on s'en fout. Donc je reprends ma Sorceress et au doigt je vais prendre ces paillettes-ci, les Nancy je crois, je ne sais pas trop lire. Et je vais juste taper ça comme ça ici. J'aurais dû faire ça avant le liner mais bon, c'est pas les bonnes. Bon, tant pis, je reprends celle-là pour remettre par-dessus. J'estampe un petit peu
Voilà. Alors j'essuie mon doigt parce que je me fous des pailles partout. En coin interne, je vais remettre le Equinox. Et avec la tranche de mon pinceau, je reprends le gris le plus foncé pour faire mon red seam. Donc crayon noir, mascara et fossile, bien évidemment. Je fais ça après. Je me suis foutu des paillettes dans l'œil. Alors, je vais prendre mon NYX liquide Epic Wear, c'est ça ? Epic Ink Liner. Et je vais faire des espèces de cils, je dirais. Voilà, je pense que pour le thème cabaret, c'était adapté. Je pense que c'est plutôt pas mal pour les nœuds. Donc, lèvres rouges, je vais mettre le Sephora, voilà, pour changer un peu. Mais je vais coller au-dessus de mes sourcils quelques perles. Et je vais mettre un faux grain de beauté en strass noir. Donc, on va faire ça tout de suite. Si je trouve ce qu'il me faut. Comme ça, après, je pourrai jeter ma colle. Parce que là, je suis au bout du bout du bout du bout. Alors, hein, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Toi. J'arrive pas à ouvrir. J'aime bien faire ça. Je vais d'ailleurs en mettre un... aussi. Je vais mettre un plus petit. J'aime bien. Donc on va passer aux perles, aux perlouses. Donc là je fais tout le sourcil. Je commence du plus gros au plus petit. Ça c'est un très gros. Oui, il ne veut pas coller. Oui, colle. En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes techniques avec mes stress. Je ne sais pas si je vais les deux tout petits, ça ne va pas vraiment se voir. Donc, je vais mettre deux comme ça à la suite. Donc, voilà, je fais ça. Je mets mes accessoires et je vais vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà le look final pour le thème cabaret. Alors j'ai eu du mal à attacher mon truc, ça glisse sur la perruque. Et il se casse la gueule. Bon, je vais l'enlever. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette perruque, c'est vrai qu'elle me va super bien quand même, mine de rien. Et je trouvais qu'elle allait totalement dans le thème du cabaret. Voilà, je trouve que le bob comme ça, c'est vraiment... magnifique. Alors, je vous rappelle que les gants, l'éventail... Et ça, ça vient de Shein. J'ai acheté tout le lot. Sauf que je voulais faire avec ma cigarette, mais ma cigarette, elle rentre pas dedans. Vu que moi, je fume des entubés, elles sont plus larges. Donc, elles rentrent pas dans le boubou. Mais c'est pas grave. Et j'ai mis plein de rouge à lèvres dessus. Et les chiens sont en train de faire le catch en bas. Voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez du look cabaret. Burlesque. Ça y est, oui, j'ai envie de regarder Burlesque. J'ai besoin de vous pour les lettres F et G. Donc dites-moi en commentaire. Je vous aurais certainement déjà mis un sondage sur Insta, mais voilà, tout le monde ne me suit pas sur Insta. Donc dites-moi en commentaire des idées pour les lettres F et G. Je fais par deux, puisque là, moi, je vais attaquer... là, on en est au C. Donc D, ça sera démon.
A, B, C, D et E étoiles. Voilà, donc il me faut F et G. Et dans une ou deux vidéos sur le thème, on fera les deux lettres suivantes. Donc, donnez-moi des idées pour F et G. Voilà. N'oubliez pas non plus de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager ma chaîne, le contenu, la vidéo qui vous intéresse, cette vidéo ou une autre. Ça m'aide beaucoup et j'aimerais bien lancer le concours des 5000 un de ces jours quand même. Hein, voilà. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire on se retrouve demain. Et donc moi je vous dis bisous bisous.